Atelier corps genre art. 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 Allongez-vous. Allongez-vous. Est-ce que vous voyez les étoiles ? L'herbe est douce et la voûte étincelante. Venez voir notre constellation. Dans le ciel, il y a des Adèles. Il y a des Adèles. Des artistes. Et des amis. Du 23 janvier au 6 février 2021, l'atelier Corps, Genre, Art de l'association Effigie propose une exposition virtuelle et une soirée artistique autour du thème des constellations féministes et queer. 9 artistes nous racontent leur rapport aux constellations. Solène Raclot. Je me souviens qu'enfant, mon grand frère prenait des cours d'astronomie. Je l'admirais beaucoup pour cela. C'était comme s'il pouvait tirer les ficelles de cette étendue mystérieuse. Il pouvait nommer les constellations, m'en raconter certaines histoires. C'était comme des repères dans ce ciel qui n'était pour moi qu'une étendue immense. Immense et habitée, car dans ma famille, on prêtait aux étoiles le pouvoir d'accueillir les défunts. On me parlait du Petit Prince, des gens que nous avons perdus, même avant ma naissance. Le ciel avait donc une grande place, et en son sein, nos aimés veillaient sur nous. Comme si quelque chose continuait d'exister là-haut et qu'on pouvait l'apercevoir la nuit. Seulement la nuit. Après réflexion, c'est encore plus prédestiné qu'il n'y paraît, ce travail artistique qui mêle ours et étoiles. J'ai grandi au Pays Basque, j'ai pleuré la mort de Canel. Au marché médiéval, toute petite, je voyais les montreurs d'ours. La figure de l'ours errait autour de moi depuis des années et elle s'est frayée un chemin jusqu'entre mes doigts. J'ai eu envie de lui donner un visage, puis des bras, de me lover en elle, de lui prêter une partie de mon corps. À cette époque, j'ai rencontré Callisto, cette nymphe ours constellation, et son histoire a résonné en moi. Cela fait un an que je joue et construis une réécriture du mythe. Callisto, cette nymphe mise au banc par Artémis après avoir été violée par Zeus, n'est plus transformée en ours. Callisto sur scène joue avec les spectateurs, les charme, les renifle. Elle manipule la carcasse d'ours, devient hybride, se métamorphose consciemment, comme un rituel dont elle est le sujet et l'actrice. Je me suis demandé, qu'est-ce que ce mythe a encore à nous dire? Pourquoi est-il si méconnu? Comment cette femme pouvait ne pas réaliser la force qu'offre un corps d'ours? Surtout, je me suis rendu compte que cette figure nous offre tant à réfléchir. Sur la réappropriation de son corps, sur la sororité, sur ce qui nous est imposé et ce sur quoi on peut finir par agir. Quand je regarde les étoiles aujourd'hui, j'ai l'impression d'en détenir un secret. J'y perçois une figure amie. J'imagine qu'elle observe l'Olympe, qu'elle prend son temps, qu'elle philosophe avec son fils, qu'elle s'est réconciliée avec les ours et qu'elle participe au débat à leur sujet. Et j'ose espérer qu'elle accueille avec tendresse ce que j'ose projeter sur elle. Atelier corps genre art. Atelier corps genre art. Retrouvez l'atelier sur Facebook, Twitter et Instagram, sur notre site ateliercga.hypothèse.org et écrivez-nous à corpsgenreart@gmail.com.